On ne peut pas forcer quelqu'un à t'aimer. Mais moi, Ariel, je peux vous forcer à me respecter parce que je suis un artiste de Côte d'Ivoire et un artiste du pays. Voilà. Mauvais père Jean-Jacques Kwame, je t'ai connu au même titre que Moulard, que Doug Saga, que beaucoup d'autres devanciers. Jamais je t'ai manqué de respect. Dans tous les coins de tes voix, je te salue. Parce que tu mérites le respect d'un devancier du coupé de Cali, au même titre que Moula, que les autres. Mais le respect qu'elle te donne là, le vieux, ce n'est pas une fée en soi. Hein. Voilà, ce n'est pas une fée en soi. Il faut comprendre ça comme ça. La première fois que je t'ai vu, il faut que tu te rappelles bien, parce que je pense et je préfère que tu sois, mais que hier là, quand on me dise que ouais, tu étais sous l'effet de l'alcool, l'alcool est trop monté d'une manière, tu as commencé à dégamer, tout le monde a vu. J'ai voulu essayer de me gérer, de m'éclipser, parce que on est artiste de Côte d'Ivoire, mais on n'est pas hors, mais on n'est pas au-dessus de la loi. On a tous demandé à ce qu'on respecte les consignes de sécurité. La seule chose pour laquelle même j'ai enlevé ma main sur toi, c'est parce qu'on était en direct, il fallait donner l'exemple à ceux qui nous regardent. Sinon, tout ce que tu voulais me dire là, tu pouvais me dire ça après. Tu pouvais m'appeler ou bien à la sortie, tu pouvais me dire ça.